bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour vous servir et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tullet. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? J'aimerais mettre à l'honneur Jordan Henderson. C'est peut-être l'un des meilleurs relayeurs en Angleterre. Il est vraiment très fort. Avec un passeur comme ça, le foot est plus facile. Oui, je suis plutôt d'accord. Attention, la frappe! Aucun danger pour le gardien. Ah, mais c'est précipité tout ça, il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon dribble. C'est repoussé. Mamadou Sakho. Liverpool qui a transformé son stade en véritable forteresse. On se demande vraiment qui pourra venir lui prendre des points, n'est-ce pas, Darren? Oh, c'est clair, aucune équipe n'aime se déplacer ici car ça se termine systématiquement par une défaite. Il peut conclure. Centre à terre. Se dérober pour quelques centimètres. Ah, ça aurait pu faire mieux. Je sais pas passer loin. Jordan Henderson. Liverpool qui possède la meilleure attaque de ce championnat et c'est mérité. C'est repoussé par la défense. Ça peut être dangereux. À côté. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Cette rencontre a démarré sous les chapeaux de roue avec beaucoup de frappes. Il faut juste s'appliquer un peu plus. Liverpool qui affiche une défense solide ces derniers temps. Thiago. Roberto Firmino qui est servi. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Et il choisit de jouer en retrait. Une très longue passe. Et ils essaient de repartir de derrière. Slew pour trouver la faille dans la défense. Un long ballon vers l'avant. Bien joué à droite, il faut aller vite. Dans le dos de la défense. C'est joué long, attention. La passe interceptée. Et le bon dégagement. Il joue dans l'espace. Bien joué, ils vont pouvoir repartir.
Thiago. Slew. Roberto Firmino. Belle passe lobée. Il a du champ sur le côté. Il est passé. Il ne se pose pas de questions. Il peut y aller. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. D'une aile jusqu'à l'autre. Il décide d'allonger le jeu. Slew. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le cadre se dérobe largement. Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il file au but. Dans l'espace. Un ballon dégagé très loin. Grosse occasion. La passe en retrait vers son défenseur. La bonne passe. C'est joué long, attention. Il va frapper. Le but pour Liverpool. Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Dans ce match et ouvre la marque très tôt. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, la grosse occasion. La frappe. Et c'est au fond. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Paul vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Un ballon intéressant. Thiago. Liverpool qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. Ils ont donc fait le break. Oh, le petit ballon piqué. Roberto Firmino qui s'échappe. Oh, le gardien est là, la classe. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. C'est parti. Et une nouvelle fois. Le clou en marquant rapidement à l'autre but. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle maison de tente à la défense. C'est le bazar. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Une très grande ouverture. Crystal Palace qui essaye de construire. Il centre de loin. Ce ballon bien dosé. C'est joué long.
Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, la frappe! Il peut encore frapper jusqu'au bout. C'est dégagé. Cahill. Il écarte, il joue sur l'aile. Il peut repiquer dans l'axe. C'est bien donné. Il peut y aller. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il centre directement. Et la défense se donne de l'air. Slew. Ça joue à gauche. Joli travail à deux. Thiago. Oh là là, quel dégagement en catastrophe. En retrait vers son gardien. Cahill. Joue dans l'espace. Non, il est bien monté. Qui est bien placé. Attention au centre. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Thiago. Il glisse le ballon en profondeur. Encore. Ah, il faut s'appliquer sur ses centres. Le dégagement. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Thiago. Il est passé. C'est centré dans la boîte. Matip qui récupère ce ballon. En profondeur. Thiago. Jordan Henderson. Slew. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Crystal Palace qui cherche l'étincelle en retrait pour repartir proprement. Il change complètement de côté. Dans le dos de la défense, Roberto Firmino. Il tire. Oh, l'intervention magnifique. Bonne intervention défensive. Le ballon en profondeur. Oh, quelle parade! Un grand dégagement le plus loin possible. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique! Jordan Henderson. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Un peu prétentieux quand même sur cette frappe. Il est très loin, il y avait sûrement mieux à faire. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Long ballon dans le sens du jeu. Slew, bien servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention. Oh, la main ferme. Superbe intervention. Danger repoussé pour le moment. Roberto Firmino en retrait.
et ce ballon vers ses attaquants. Un corner encore, on ne les compte plus. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? La tête! Oh, elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Il prend quelques centimètres sur son adversaire direct et ça lui permet d'avoir une bonne occasion. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Allez, la tête! Non, ça ne passera pas. Il a failli marquer un nouveau but. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Il rejoue derrière lui. Trouver la faille dans la défense. C'est une occasion, ça. Un centre lointain. Quelle fait du bien, cette interception. La passe en retrait vers son défenseur. Jordan Henderson. C'est joué long. Thiago. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. Voilà une bonne occasion de contre. Ce sera un coup franc, bien sûr. Slou, c'est osé. Il est lancé vers le poteau de corner. Joli passe lobé. Ce sera un centre. Un centre dans l'axe pour personne. C'est joué long. Attention. Ils obtiennent un coup franc. C'est bien repoussé par la défense. Jordan Henderson. C'est bien écarté. Bonne intervention. Slou qui pourrait peut-être s'offrir un triplé. L'arbitre signale une faute. Alors ce sera un coup franc à la limite de la surface. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Il aurait pu être sanctionné. Mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est une vraie occasion. Il peut décider de tenter sa chance. Il faut vraiment se méfier de ce genre de joueur. Il est capable de rentrer n'importe quel coup franc. Il tente sa chance. Il va s'en sortir sur ce coup-là. Ça passe à droite. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Thiago. Matip. Thiago. Roberto Firmino. Il tente de la jouer dans l'espace. Le gardien s'interpose avec brio. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. Bon dégagement, bien joué. Voici un bon centre. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Slou. Jordan Henderson. Thiago qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Et il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Quelle solidité, bien joué. Il joue dans l'espace. Il préfère jouer avec son gardien. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. Il file au but.
Toujours efficace les 1-2. C'est bien fait ça. Le centre est tendu. Danger écarté. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Le bon dribble. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, très bon ballon. La défense s'en sort là. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Va-t-il en profiter? La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il tente de la jouer dans l'espace. Directement pour le gardien. Dans le dos de la défense. Bien donné, plein axe. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Le ballon sort du terrain. Jordan Henderson. Liverpool qui peut construire. Slew. Mamadou Sakho. Bien joué ça. Oui, bonne intervention de la défense. Ça sent la frappe. C'est récupéré facilement. Il essaye un long ballon. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long. Attention. Quel but ! Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Alors Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond défilé. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause, 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Et on regarde le tableau d'affichage et on se dit qu'il y a un monde entre ces deux équipes.
L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. La diagonale, et ça ne passera pas. Crystal Palace, qui a été très critiqué après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il a fait des choix discutables, voire carrément suspects, si vous voulez mon avis. Assez mal joué, ballon perdu. La défense bien présente. Slew. Oh, il a bien vu son coéquipier. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Crystal Palace qui cherche l'étincelle. Cahill. Crystal Palace qui cherche à déclencher du mouvement. Et ils vont effectuer cette touche. Il relance côté droit. Cahill. La passe est précise. Il file dans l'axe. Il peut en profiter. Benteke, belle passe lobée sur l'aile. Il est bien monté. Il file au but. Il glisse le ballon en profondeur. Et le danger est écarté. Mamadou Sakho. Il file vers le but. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oui, il peut frapper là. Et ça fait but. Et allez, encore un but. Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Et voilà, il réalise le coup du chapeau. C'est très simple, hein. Il donne le tournis depuis le début de ce match. Il y rend fou. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Matip. Thiago. Il décide d'allonger le jeu. Slew. Benteke lève la tête. Il cherche un appui pour trouver la faille dans la défense. Le bon jaillissement. Le danger est repoussé. Jordan Anderson. Un long ballon vers l'avant. Quel tacle! La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. Thiago. Slew qui semble sur la route d'un magnifique triplé. Quelles sont ses chances? Eh bien, vu ce qu'il a montré jusqu'ici, plutôt bonne, je dirais. Et le ballon est dégagé. Là, il a préféré jouer la sécurité. Ce sera une remise en jeu. Ce ballon sur l'aile. Le ballon s'en touche. Ça manque un peu de solution. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. On cherche un coéquipier dans l'axe.
La défense bien présente. Oh, ça part à droite. En tout cas, on ne peut pas le reprocher de tenter des choses, mais bon, ça ressemble quand même à un aveu d'impuissance. Il décide d'allonger le jeu. Thiago. C'est joué long. Slow qui subit un marquage très serré. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Thiago, va-t-il en profiter? Le ballon traîne toujours. Attention! Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit à la mi-temps, mais pour l'instant, ça marche. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il choisit là-bas, sur l'aile. Centre détourné. Slou, il va frapper ce corner, c'est sa spécialité. Oh, la tête plongeante! Le gardien loin devant. Il tente la frappe. Matip. Jordan Anderson. Et ils essaient de repartir de derrière. Ce sera un coup franc. Benteke. Il choisit la profondeur. Oh, le bon ballon. C'est bien donné. Le danger est écarté. Le ballon sort en touche. Il joue en profondeur. Quelle précision. Ça peut faire mal. Et il trompe le gardien. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch! Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Ça s'active sur le bord du terrain, on devrait assister à un changement. Il passe en retrait vers son défenseur. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Mohamed Salah. Ce ballon bien dosé. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Dans le dos de la défense. C'est bien fait, ça. Le soutien derrière lui. Il peut frapper. Mohamed Salah, qui est récompensé de son pressing. Ça bouge sur les bandes touches, on devrait assister bientôt à un changement. Thiago. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Long ballon dans le sens du jeu. Jouer dans l'espace. Bonne interception, il y avait danger. C'est joué long. Et oui, faute. Coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune.
gauche. Deux changements. Et il jaillit pour prendre ce ballon. En retrait pour repartir proprement. Jordan Henderson. C'est joué dans la surface. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Il est passé. Un centre rasant. Oh, ça passe à gauche du poteau. Touche maintenant. Et ils essaient de repartir de derrière. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Jordan Henderson. Coup franc. La bonne intervention. Il redonne derrière. Mohamed Salah. La passe en retrait vers son défenseur. Thiago. Et ils essaient de repartir de derrière. Jordan Henderson. Thiago. Il décide d'allonger le jeu. Il file au but. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Et ce ballon vers ses attaquants. Le long dégagement du gardien. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Une petite faute là. Oh, l'arbitre est généreux, toujours pas de carton, et pourtant ça méritait une sanction. Il va peut-être falloir lui parler, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. Dans l'espace. Slou. L'ouverture lumineuse pour trouver la faille dans la défense. Jordan Ayew. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Matip. Jordan Henderson. Slou. Il met le pied, ballon récupéré. Le long centre. Jordan Ayew. En retrait pour repartir proprement. Slou. Thiago. Le bon tacle. À la régulière, il est battu, joli tacle. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Thiago, il joue en profondeur. Et la défense qui s'offre un répit. Là, il y aura un corner.
récupération sans se livrer, c'est bien joué. Roberto Firmino. Le bon dribble. Il envoie le ballon dans l'axe. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Slou. Le gardien loin devant. Il a trébuché sur cette intervention. Roberto Firmino. Il centre directement. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Et le raid côté droit, il a du soutien. Slou, il peut centrer. Oh, dommage, c'était un bon coup de tête. Et t'es pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Jordan Henderson, qui est récompensé de son pressing. Il joue dans l'espace. McCarthy, le centre. Benteke. C'est bien écarté. Il décide d'allonger le jeu. Jordan Henderson. C'est récupéré facilement. Le long dégagement du gardien. Roberto Firmino. Oui, l'arbitre a sifflé. Le gardien loin devant. McCarthy s'est joué long vers le poteau de corner. Le ballon s'en touche. Il récupère le ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Slou. Il est passé. Il peut conclure. Le ballon s'en touche. Il est à distance de tir. En retrait. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand-chose à redire. Crystal Palace qui compte maintenant deux joueurs avertis. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être trop loin derrière au tableau d'affichage. Directement, quel sauvetage! Cahill. McCarthy. Il glisse le ballon en profondeur. Jordan Henderson. Wijnaldum. Slou. Belle passe lobée, ça sent la frappe. Le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. Le bon dégagement.
Matip qui récupère ce ballon. Ronaldo. Matip. Jordan Anderson. Oh, ce jeu de passe, quel régal! McCarthy. Jordan Ayew. Il file au but. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Wijnaldum qui est récompensé de son pressing. Jordan Anderson. La passe en retrait vers son défenseur. Mohamed Salah. Roberto Firmino. Jordan Ayew. Benteke. Dans le dos de la défense. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Quelle passe! Jordan Ayew. Wijnaldum. Mohamed Salah. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Quel match, quel match, quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Ils ont défendu très haut et ça leur a bien réussi. Ça leur a permis de contenir les attaquants adverses et de récupérer le ballon très haut pour lancer des contre-attaques. Et ça a marché. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt.